Alors Sakri, go jouer Musa. Alors est-ce que c'est un Sakri Casu 199 avec des raises? Parce que j'ai quand même envie de tester le Cocculte, vas-y je teste le Cocculte. En fait dans tous les cas ça peut être intéressant parce que s'il a l'initiative sur moi et qu'il me rush, il y a peut-être un monde où il se fait une libation et je peux enchaîner. Ok, j'ai l'ini. Ouais, donc c'est un 589 qui joue avec des raises. D'origami. Le meilleur œuf à la cuck. Hop, le petit certif. Aliel. En plus, souvent, ils ont les moyens. Hein. Regardez, ils jouent avec des musamus et tout. Les gars, ils s'optimisent pour être des merdes. Se disent, oh banger, je peux avoir un cas qui tape de ouf, en même temps jouer avec un stuff 40% reste d'origami. Oh c'est trop bien, je joue avec un stuff avec une épée qui me coûte 6 PA et je joue un 11 PA pour qu'il me reste 5 PA derrière. Ça synergise 0 avec mes sorts. Non mais c'est bien, moi je vais continuer à faire l'opposé de ce qu'il y a sur le site de Uz. Ta réponse se trouve sur uzune.fr. Je vais continuer à faire de la merde, après tout je suis libre et moi je suis pas un suceur, ok? Ouais, t'es pas un suceur mais t'es juste mort. Ah. Et continuez à jouer avec vos modes sans résistance là. Et moi je gère des combats, ok? Je gère des combats avec mon casque Dract. Tais-toi Aliel, tais-toi, tais-toi. Dégage. C'est aussi con d'équiper une Musamune sur un mode 11 PA que de jouer un Fekka 11 PA avec des Yuliettes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu fais ton cas qui te reste plus de PA en fait. Je suis sûr qu'il jouait en taille en plus. Les casus comme ça, c'est en taille. En taille. En taille le chat. On peut pas avoir son stuff, il a caché ni de performer. Us, j'écoute le roublard, mais je pue du Fiakos. Tu as des tips? Il faut jouer en fin de soirée. T'as plus facilement des Yop et les Sakris, à part ça. Vous lâchez des tips comme ça, des fois vous demandez, mais c'est trop global. C'est comme si vous me dites, Us, je veux apprendre à conduire, t'as les conseils? C'est... Il faut pratiquer, quoi. De quoi? Vous voulez des conseils pour conduire une moto? Bah, si vous voulez, tout est dans le regard. Tout est dans le regard et la pratique. Mais l'optimisation des trajectoires et l'équilibre, c'est 90% de la leçon. Non, ce que je veux dire, c'est que... Vous voulez qu'on rush? C'est comme la récursivité. Une fois que tu l'as acquise, bah, tu as en poche 90% du gameplay steamer. Ouais, il m'a déchiré. Encore une fois, une preuve de mon skill. Tac, tac. Use un permis va vous apprendre à conduire de la meilleure des manières. un an? Non, 9 mois. 9 mois de permis moto. Ouf. Vas-y, on va jouer ouf pour le fun. Histoire de changer. J'espère que c'est un mode e-cache qu'il a. Alors, tac, tac. Le dernier PM a pris la Projec. Non, c'est pas un mode e-cache, c'est un mode chiant. Mais je pense pas qu'il puisse me tuer là. J'ai quand même 2300 HP, vous vous rendez compte. C'est beaucoup trop. Il peut peut-être imaginer m'effleurer, mais ça s'arrête là. Alors, deux secondes. Je vais juste clean tes potes. Ouais. Ça m'aurait mis bien, là, en vrai. Je ronfle. Ça m'aurait mis bien
l'arcane dans ce cas-là. Parce que là, je suis en ouf. J'ai pas beaucoup de portée. On m'a parlé de l'arc tangente cet après-midi. L'arc tangente. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec ça? C'est un mec qui joue Pandamonium. Parce qu'en fait, t'as un bon taux de crit de base, c'est vrai. Je suis pas sûr. Hein. Terre, eau, feu. Donc tu mets une patte greffe, t'as que Aïni Feu qui capitalise dessus. Terre au feu. T'as trois lignes, certes, mais non. Des petites lignes. C'est pas quoi un cube, lui, je pense pas. Hein. Il fait chier, lui. Alors, deux secondes. Ouais. Ouais, c'est bon. Allez. 2200 HP. Regarde, mais ça, le jeu. Il était vraiment une pouca à 20 trails. Alors, Jalol. Je pense sincèrement que vous n'êtes en aucun cas de manière à assurer le meilleur joueur d'Ophus. Vous êtes en réalité derrière Realize. Mais ça, je peux pas forcément le contredire. Salut Frods, merci pour le message. Est-ce que je le kill? Il y a moyen. Hein. S'il se place ici en mode. Personne ne peut m'atteindre. Dommage. Allez, pre-tech diff pour le moment, pas encore pre-tech win. Pre-tech ronflement assuré, oui. Parce que là, ça fait deux tours qui est censé être mort, mais deux tours de plus parce que, bah voilà, il y a juste un item qui donne 1700 shield. Ouais, 1700, je suis gentil. Mais c'est ce sur quoi je tape, puisque je tape pas T1. Ok. Il tente de fuir. Bien joué. Bien joué, Ske. Bien joué. Bien, wesh. Hop. Grimaud Colli. Grimaud, tu t'entraînes pour ton yop vendredi? Tu joues ton yop vendredi, hein? Il a dit qu'il allait jouer son yop. Purée, hier, le mood yop, t'es trop trop bien. Tac, tac, tac. Est-ce que je tente la libation? Est-ce que je respecte Grimaud? Vas-y, je tente la libation. Il tue mon épée dansante. Il s'affranchit. Grimaud me bon. J'ai 14 PA. Tentative de berserk. Ouais, il faut que je fasse un bon G. Hein. Ah, ou le crit. Oh, oh, oh 3000. Moi, 2900, allez. Bien joué, Grimaud. It was a tactical game. Alors les upers, on a vu, c'est compliqué parce que ils jouent terre. Ils se mettent un poke de ouf. Le T2, il est pas dégueu si jamais ils ont un finish, s'il te reste 2000 de vie. Oh, coiffe de classe. Non, c'est un fake. Et la surcharge. Trop satisfaisante. Je pense que c'est une fake coiffe de classe. Ça existe encore les non-subs ici, il y en a beaucoup trop, ouais. Fuck le rouge, sueur de fragile.
Cette map de merde. Regardez, je suis coincé. C'est ridicule. Vas-y, je tente de le tuer. Vraiment en mode full alpha. Vous avez vu, il a fait une kill. Hein. Il a fait une kill, il me reste 140 HP. Waouh. Un peu de choses près, hein. Oh, j'ai crit. Okay, c'est un petit peu plus de dégâts. Oh la vache. Quel banger.